Alors, le nouveau détecteur de mouvement, pardon, d'ouverture et de choc, le nouveau détecteur de Somfy IO. Alors, il est quand même assez joli, assez fin, assez léger et assez complet. Ça, c'est la partie aimant. Alors, on peut se fixer ou sous l'ouvrant ou sur le montant. Toutes les possibilités. On peut le décaler quand même. Il peut y avoir un décalage jusqu'à 3 cm. Ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait qu'il soit quand même assez près. Là, ils acceptent un décalage comme ça, jusqu'à 3 cm de l'axe à l'axe. Alors toujours pareil, il est fourni avec du double face et possibilité de le visser avec des petites vis. Mais quand on le fixe sur de l'aluminium ou du PVC, bien souvent c'est commode le double face. Alors double face pour les mains et des petites pastilles double face qui sont assez adhérentes, je les ai testées et vraiment ça colle bien pour le détecteur, pour la partie fixe qui peut se mettre ou d'un côté sur l'ouvrant ou sur le fermant ou sur le fixe, toutes les possibilités. Alors dedans, je sais pas si vous voyez, emplacement de la pile et il y a un curseur dedans pour régler ou avec les mains ou détecteur de choc, toutes les configurations possibles. Le P, c'est pour la programmation et le C, c'est pour test, pour la configuration du détecteur de choc. Voilà les boutons là. Ça c'est pour réglage de l'aimant, partie aimant et partie choc. Ça c'est le C, c'est pour configuration du choc. Et P, c'est pour la programmation. Alors c'est dit IO, toujours pareil. C'est nouveau, c'est retour d'information. Vous savez exactement où se trouve votre porte. Alors pour le détecteur, pour le calibrage du détecteur de choc, on appuie ici. Il va y avoir vous voyez, un rouge qui va s'allumer. Voilà. Là maintenant, on referme le capot. Bon. Je l'ai refermé. Il est refermé. Ça clignote. Là maintenant, on tape sur le montant de la porte. On tape pour apprendre le choc. Voilà. Et en fin de cycle, là, vous voyez, le cycle a été terminé. Maintenant, en fin de cycle, bien, il est. Et vous avez détecté, vous avez programmé le choc pour le détecteur. Alors il y a toujours quand même des petits trous pour le vis, on peut toujours visser, mais il n'est plus fourni maintenant cheville ni vis, plus rien. Si c'est des autocollants. Quand même assez joli. Le détecteur d'ouverture IO et de choc. Alors pour l'ajouter à ta Roma, pour ajouter le détecteur d'ouverture IO, on clique là sur configuration. C'est du IO, c'est le capteur. Oh, pardon, c'est du autre. Non, je me trompe. Pardon, excusez-moi. C'est du IO ajouté.
Capteur. OK. On sélectionne le capteur. C'est ça. OK. OK. Ils disent appuyer sur la touche prog. Là, j'ai appuyé. Vous voyez que le petit voyant vert clignote. Ah, il a arrêté de clignoter. Voilà, il a été détecté. Maintenant, on y met un nom. C'est un détecteur de porte. Vous mettez le nom que vous voulez. OK. Et alors maintenant, il est là. Voilà. Bon. Si vous voulez supprimer, sélectionnez. Vous cliquez sur supprimer. Supprimer. Continuer. Vous appuyez sur prog. Continuer. Voilà, le petit voyant vert allumé, il est supprimé. Voilà, vous savez maintenant comment le paramétrer.